Pour comprendre le sort des homosexuels et des lesbiennes sous le régime nazi, il convient d'abord d'évoquer le paragraphe 175 du Code pénal allemand, mis en place en 1871. Alors que la France avait supprimé à la Révolution toute référence aux crimes de sodomie passibles de la peine de mort sous l'Ancien Régime, d'autres pays comme l'Allemagne pénalisaient les relations sexuelles entre hommes. En 1935, le régime nazi renforça le paragraphe 175 jusqu'à 10 ans de travaux forcés avec possibilité d'envoi en camp de concentration. Le paragraphe 175 resta en vigueur après la Seconde Guerre mondiale et il ne fut définitivement supprimé qu'en 1994. En conséquence, les triangles roses, les homosexuels déportés au titre du paragraphe 175, ne furent pas reconnus au lendemain de la guerre comme des victimes du nazisme et leurs souffrances restèrent longtemps invisibilisées. Cette exposition entend honorer leur mémoire à travers notamment plusieurs parcours de vie. En réaction au paragraphe 175, des mouvements homosexuels militants s'étaient créés en Allemagne à la fin du 19e siècle, à l'instar du comité scientifique humanitaire de Magnus Hirschfeld. Ils publiaient des journaux, organisaient des conférences, faisaient circuler des pétitions. Durant les années folles, homosexuels et lesbiennes se retrouvaient dans les grandes capitales européennes, dans des bars, des cabarets tels l'Eldorado à Berlin, mais aussi dans de grands bals travestis comme celui de Magic City à Paris. L'arrivée des nazis au pouvoir allait porter un coup fatal à cet espoir d'émancipation. Le positionnement du NSDAP, le parti nazi, sur l'homosexualité était resté longtemps ambigu. Le régime nazi usait d'une esthétique homoérotique. Les organisations nazies telles que la SA, la SS, les jeunesses hitlériennes valorisaient l'amitié entre hommes. Et Ernst Röhm, le chef de la SA, était lui-même un homosexuel notoire. Néanmoins, dans la perspective nazie, l'homosexuel n'avait pas de valeur sociale. Il devait être mis au pas, guéri, rééduqué, sinon éliminé. Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les revues homosexuelles furent interdites, les clubs fermés, les mouvements homosexuels dissous. Les premières cibles du régime furent les prostituées, les travestis, les corrupteurs de la jeunesse et les récidivistes. La nuit des longs couteaux, en juin 1934, avec l'élimination de Röhm, marqua un renforcement de la répression. Les condamnés au titre du paragraphe 175 connurent des destins hétérogènes. Si une majorité d'entre eux subit une peine de prison, une minorité fut envoyée en camp de concentration avant ou après avoir purgé sa peine pour y être rééduquée par le travail. Dans les camps, les triangles roses durent affronter des conditions de détention inhumaines. Ils étaient fréquemment assignés à la compagnie disciplinaire et aux tâches les plus difficiles, comme par exemple à la briqueterie à Sachsenhausen. Certains furent castrés, d'autres soumis à des expériences médicales. Certains, jugés guéris, furent relâchés et incorporés dans la Wehrmacht. Le sort des homosexuels dans les pays alliés de l'Allemagne, occupés ou annexés par elle, a pu différer de manière sensible. Le paragraphe 175 ne s'appliquait ainsi qu'aux ressortissants du Reich, allemands et habitants des territoires annexés, comme l'Alsace-Moselle. Les lesbiennes échappèrent dans l'ensemble à la répression, à condition de rester discrètes et de se conformer aux normes de genre en vigueur. Certaines furent néanmoins arrêtées et déportées sous d'autres prétextes, comme asociales et communistes. En Autriche, où le lesbianisme était puni par la loi, on vit une forte hausse des condamnations. Ce n'est qu'à la faveur du mouvement gay et lesbien des années 70 que le sort des homosexuels sous le régime nazi commença à être débattu. En 1972, Joseph Kohout, alias Heinz Eger, témoigne en Autriche. C'est le premier triangle rose à le faire officiellement. Plus tard, dans les années 90 et 2000, Pierre Sell et Rudolf Brasda apporteront également leur témoignage en France. La persécution des homosexuels sous le régime nazi fut reconnue officiellement en RFA en 1985. En 2002, le Bundestag vota la réhabilitation, pour beaucoup posthume, des hommes condamnés au titre du paragraphe 175 sous le régime nazi. En France, il faut attendre le discours de Lionel Jospin, le 26 avril 2001, confirmé par celui de Jacques Chirac en avril 2005, pour amorcer le processus de reconnaissance. Aujourd'hui, des monuments et des plaques
honore la mémoire des victimes homosexuelles du nazisme en Allemagne, en Autriche, en France, aux Pays-Bas. Selon les estimations les plus sûres, environ 100 000 homosexuels furent fichés par le régime nazi. Près de 50 000 firent l'objet d'une condamnation. Entre 5 000 et 15 000 furent envoyés en camp de concentration, où la majorité d'entre eux périt.